Bonjour Hugues, voilà, tout le monde nous rejoint, donc c'est bien. Donc on a la chance d'accueillir aujourd'hui, je vais reprendre pour ceux qui viennent d'arriver. Bonjour Catherine, bonjour Nicolas. C'est vrai qu'on est en avance en fait, hein, Julien. On est en avance. Bon, les agents immobiliers sont plus que ponctuels, ils sont même en avance. Et ils sont ponctuels, non, ils sont ponctuels. Et bonjour Carole, ils sont ponctuels. On échangeait un petit peu ensemble avant le démarrage, mais effectivement, on va démarrer à l'heure, puisque je pense que l'heure, c'est l'heure, 17h, c'est bientôt, mais on est ravis de t'avoir avec nous pour ce Club Excellence Nouvelle Formule 2021, effectivement, qui va nous permettre de te connaître un peu plus, Julien, ça c'est sûr. Ça. C'est l'objectif, et puis de repartir avec des bonnes recettes. Bonjour Laetitia, bonjour Cassandra. On a du monde petit à petit, hein. Il est 16h58. Hein. Une fois n'est pas coutume, on est en avance. Bonjour Christelle, bonjour Jérémy. Voilà, c'est bien. On nous rejoint petit à petit. On va bientôt démarrer. Donc, effectivement, un format un peu différent. Avec plusieurs parties aujourd'hui. On va attendre que tout le monde nous rejoigne. Bonjour Nathalie. Bonjour Christelle. À Lyon. Des fidèles de Lyon. Mmh. Est-ce qu'on a du monde à Montpellier ou à Nîmes là? J'espère qu'on a des personnes qui vont nous suivre à Nîmes, Julien. J'espère que tu as communiqué autour de toi. Ouais, on a communiqué. Bonjour Nathalie. Ah, Nathalie te connaît. Ça, c'est bien. Ah, bonjour Nathalie. À Marseille, c'est bien. Il fait beau à Marseille. On a eu de la chance, il faisait beau à Montpellier aujourd'hui. J'ai regardé le temps à Paris, ce n'était pas encore ça. Mais Nîmes, il a fait beau à Nîmes. Il fait toujours beau à Nîmes. En général, on ne se plaint pas, ça va. Je crois que c'est la ville de France où il fait le plus chaud, je crois. Ouais, c'est ce qu'on dit. En général, c'est ce que je vois la météo, en tout cas, qu'on est sur les plus belles températures. Oui, on a de la chance dans le sud. On a une belle semaine qui s'annonce à Montpellier et à Nîmes aussi, j'ai regardé. Paris, je crois que le week-end est bon. Donc quand même, ça, c'est pas mal. Bonjour à tous. Valérie nous a rejoint, Noémie, Dominique. Voilà, tout le monde nous rejoint. Donc, je le disais, bonjour de Belgique. Ah ben ça, c'est bien ça. Bonjour Pierre-Alexandre. Donc, on nous rejoint un peu de partout. On va y aller, on va commencer. Bonjour Agnès. Alors, un épisode, comme je le disais, un peu différent. Bonjour Daniel. Julien, merci d'être là. Donc, tu as gagné le prix du jury la fin de cette année dernière. Sur les résultats, on le dit, hein, 2019, puisque vous savez, il y a toujours un an de décalage pour les résultats du palmarès. Et tu as fait partie des dossiers, les meilleurs dossiers, puisqu'on le verra, c'est le quatrième point de l'intervention du jour. Ouais. Tu as eu 23,5 de moyenne et tu as eu la meilleure note. On n'est pas à l'école, mais bon, je pense que les notes, c'est important. Ça montre aussi la performance, ça marche encore. Tu as eu effectivement la meilleure note et c'est pour ça que tu as eu le prix du jury. Donc, on va y venir effectivement. Comment est-ce qu'on peut, bien sûr, se qualifier pour le palmarès et puis surtout le remporter parce que c'est ça l'objectif. Mais avant de parler, bonjour Christelle, du palmarès, je voudrais que tu nous expliques un peu ton parcours. Moi, j'ai été étonné par ton parcours, un parcours d'un vrai entrepreneur et une école de commerce et effectivement de la gestion d'entreprise. Moi, je pense que oui, pour réussir dans l'immobilier aujourd'hui, il faut être un entrepreneur de talent puisque c'est un métier comme tout autre, hein, qui demande de gérer son entreprise et de la faire grandir avec une vraie performance en 2020, une vraie croissance. J'en parlais dernièrement, j'ai l'impression que cette année 2020, plutôt qu'une année catastrophe, a été une année fantastique de développement pour beaucoup. On en dira certainement beaucoup plus bientôt, mais je pense que ça a aidé beaucoup d'agences et beaucoup d'entrepreneurs à peut-être poser les choses par écrit et à développer leur business beaucoup plus qu'on ne pouvait s'y attendre. Et contrairement à ce qu'on pense, ne pas être en difficulté, parce que c'était principalement cette idée-là, on pensait effectivement que ça allait être une difficulté, c'est devenu un avantage et un levier pour beaucoup d'entrepreneurs. Donc, ton parcours, en deuxième point, on fera un point sur les recettes et ce qui conditionne le succès. Alors, on passera en revue le recrutement, bien sûr, je pense que ça passe par là et comment on met en avant, c'est bien. On va parler des avis clients, de la vitrine, bien évidemment, de l'agence immobilière. On est encore là pour avoir des agences avec un concept que tu lances, qui est un concept d'avant-garde, novateur. Et puis, bien sûr, tout ce qui permet aussi d'être visible, hein, le site web, bien sûr, les réseaux sociaux et puis l'équipe, comment on manage son équipe. Je pense que ça, c'est des points importants. Alors, Julien, explique-nous d'où tu viens, comment ça s'est fait l'immobilier, tu as commencé quelle année, c'était quoi le projet de départ? Alors, ben moi, j'ai créé ma première agence immobilière en 2008, donc il y a 13 ans maintenant. En fait, j'ai terminé mes études en août 2007 et j'ai ouvert dans la foulée en 2008 l'agence immobilière en faisant, comme j'ai l'habitude d'expliquer, toutes les erreurs possibles et inimaginables.
C'est-à-dire en ouvrant une agence sans faire d'études de marché, en ouvrant une agence sans avoir aucun euro de trésorerie devant moi. Les débuts ont été relativement chaotiques et d'ailleurs, ça a duré pas mal de temps. Donc, initialement, c'était une ouverture d'agence immobilière. C'était une création d'agence, donc une création aussi d'entreprise sur un marché que je ne connaissais pas et sans aucune connaissance, surtout, alors ni de près ni de loin, dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat ou autour du monde de l'immobilier. Donc, dur apprentissage du métier, surtout qu'en 2008, comme vous le savez toutes et tous, ça a été une année relativement, et d'ailleurs une série de mois plus qu'une année relativement compliquée. Oui. Donc, tous les feux étaient au rouge pour que ça fonctionne, en fait. Voilà, tout simplement. Mais c'était quoi ? C'était un projet de vie ? Tu savais que tu allais te lancer dans l'immobilier ? Parce que tu m'as dit que tu as fait une ESC Toulouse, donc effectivement la gestion d'entreprise, mais c'était prévu ou ça s'est fait en fait, au hasard d'une rencontre ? En fait, ça s'est fait réellement pendant que j'étais étudiant à l'ESC Toulouse. J'ai fait en même temps un Master 2 Stratégie Économie à Grenoble. Donc, j'étais dans un hôtel Formule 1 à Grenoble un dimanche soir pour aller passer mes euros. Puis, j'avais l'habitude de regarder Capital le dimanche, tout bêtement. Puis, j'ai vu un Capital sur une personne qui faisait de l'investissement immobilier à Dubaï. Ça m'a plu et je me suis dit, quand je rentre de Grenoble à Toulouse, je vais contacter cette personne. Donc, j'ai contacté cette personne. Et j'ai fait des études de marché sur tous les, ça c'était en 2007, sur tous les marchés immobiliers dans le monde qui paraissaient intéressants. Et en fait, j'ai ouvert une première structure immobilière en Bulgarie, alors sans être du tout d'origine bulgare, c'est-à-dire que je ne connaissais pas du tout la Bulgarie. En Bulgarie. Ouais, totalement. Et en fait, en 2007, j'ai fait 3 crédits étudiants sur un montant de 100 000 euros pour acheter des terrains en Bulgarie et un appartement en France. Donc, l'immobilier en fait finalement a commencé pour moi étant étudiant en Bulgarie, et puis j'en ai parlé autour de moi, et on sait qu'on a un métier relationnel, et ça, on va dire, dans les écoles de commerce, il y a quand même ce qui n'était pas mon monde à moi initialement, mais un pouvoir d'achat relativement important. Et je me suis retrouvé avec des étudiants qui étaient intéressés pour investir de l'argent, et puis 1, 2, 3 personnes. Donc je me suis retrouvé en fait conseiller immobilier en Bulgarie en devenant en 2010 même le premier intermédiaire sur la transaction là-bas. J'ai acheté mon premier appartement à Nîmes, et puis moi, étant originaire de Nîmes, je suis donc revenu à Bouillard, donc le village à côté de Nîmes. Puis je me suis dit, OK, je suis à mon compte en Bulgarie, l'immobilier me plaît, je vais ouvrir mon agence. Et en fait, j'ai ouvert mon agence, mais vraiment au départ de façon tête brûlée, puisque j'avais fait aucune recherche et que ça avait été tellement facile en Bulgarie, c'est-à-dire à 2600 bornes de chez moi, que je me suis dit, ça ne peut pas être compliqué à 7 km de chez moi. Mmh. En fait, je ne savais pas qu'à ce moment-là, je rentrais dans quelque chose de relativement dense, compliqué, puisque j'avais aucune formation sur le métier d'agent immobilier. Donc certes, j'avais la théorie du marketing, du management, de tout ce qu'on veut, mais quand on rentre sur un marché en plus en 2008 qui est relativement compliqué, en étant nouveau, où la personne qui veut t'aider, il faut être clair, bien au contraire, je tombais face à un mur, mais en fait, et après on va parler du parcours, c'est ce qui a forgé cette expérience et toute cette difficulté, a forgé aujourd'hui ce que l'agence et ce que la structure est devenue, puisqu'on va en parler un petit peu après. Bien donc, sûr. Petit à petit le métier. Et je dirais que j'ai commencé à faire ce métier correctement en 2014, donc 6 ans après l'ouverture, puisqu'avant, c'était pour moi du balbutiement, bien que j'ai eu des salariés alors que moi-même, je ne connaissais pas le métier. Donc, c'était vraiment un enchaînement de choses que aujourd'hui, je ne conseillerais pas. Et puis… tu m'as dit qu'il y a eu un lancement pas chaotique, mais tu me dis que tu as fait un certain nombre d'erreurs qui t'ont appris plein de choses jusqu'à 2014, mais tu vas peut-être un peu vite parce qu'entre 2008 et 2014, il s'est passé plein de choses. Il y a des erreurs que tu ne referais pas aujourd'hui, en tout cas sur le lancement. Quelles sont les erreurs, par exemple, que tu as faites et tu t'es dit finalement après coup, si j'avais pu gagner un peu de temps et qu'aujourd'hui on pourrait partager, ça serait quoi ? Quelles sont les erreurs que tu… des erreurs de débutant, des erreurs grotesques, c'est-à-dire déjà ouverture d'une agence à faire aucune étude de marché, ni sur mon marché, ni sur l'implantation de mes locaux. En fait, je suis tombé sur des locaux, je les ai pris tout de suite. Ouverture d'une structure, donc d'une entreprise sans aucune trésorerie, donc dans le rouge tout de suite. Recrutement de salariés beaucoup trop prématuré, surtout recruter des commerciaux au lieu de recruter un poste assistante commerciale. Cession de la moitié de mes parts à un associé qui était un conseiller chez moi. Donc voilà, tout ce qu'il ne faut pas faire et surtout commencer le métier sans avoir aucune formation de conseiller en immobilier, même d'agent immobilier pour moi. Ça serait peut-être le conseil principal, effectivement, de commencer par une formation, effectivement, peut-être que ça t'aurait fait gagner du temps. Voilà. Oui, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps, probablement. Tu m'en as parlé. Alors, c'est vrai que c'est 2008 jusqu'à 2014, et 2014, tu me dis redressement judiciaire, donc c'est quand même sérieux quand même. Oui, sérieux. 2014, donc moi, j'avais la chance, disons, d'avoir la structure en Bulgarie qui marchait très bien.
de 2008 à 2011, jusqu'à ce que vraiment, moi, je me consacre totalement après au développement de mon business en France. J'avais déjà la volonté de développer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, initialement, moi, je suis un vraiment entrepreneur dans l'âme, c'est dans mon ADN, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a personne autour de moi qui est entrepreneur, mais je savais, j'avais cette vision-là de l'entreprise. Et même, donc, arrivé en 2014, quand je me suis séparé d'un associé temporaire que j'ai eu, qui a été une des causes principales, on va dire, cette défaillance, j'ai connu le redressement judiciaire, donc effectivement, l'huissier qui est venu en agence avec le dictaphone, puis le tribunal de commerce, toutes les joies de l'entrepreneuriat, au moment où on voit qu'on est tout sauf accompagné dans les moments difficiles. Et j'ai dit, OK, ça fait partie de mon parcours de vie. Ça fait 6 ans que je bosse 12 à… Ouais, à ce moment-là, au moins 12 heures par jour et que je ne peux pas fermer la boîte pour réouvrir. Donc, je vais assumer ça et je vais en faire ma force. En fait, si tu veux, et pour tout le monde, je me suis toujours construit dans la difficulté de tout notre projet. D'ailleurs, même enfin, la phase 3 de notre projet dont on parlera tout à l'heure, tout a été construit à force de travail. Et donc, redressement judiciaire. Et ça a été le déclic puisqu'en fait, à ce moment-là, l'agence a commencé à se développer. En plein redressement judiciaire, je n'avais pas quitté le tribunal de commerce que deux mois après, j'ouvrais une nouvelle agence immobilière. Et ensuite, après, depuis 2016, on a ouvert une agence immobilière chaque année pour nous développer. Mais c'était quoi le déclic? Parce qu'il s'est passé quelque chose. Donc, c'est quoi? C'est le redressement judiciaire? C'est le fait de te séparer cet associé qui t'a permis de repartir? C'est quoi? Il y a eu un déclic? En fait, j'ai eu un déclic psychologique, c'est-à-dire que j'ai fait simplement une formation tout à fait lambda avec un formateur qui nous a expliqué qu'il était possible de faire plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires quand on est agent immobilier. Donc, moi, à ce moment-là, j'étais très loin de faire ça. Et surtout que sur Nîmes, en tout cas sur les alentours, c'est une production aujourd'hui qui n'est pas faite par les agents, ils en sont très, très loin. Et en dehors de ça, on sait aujourd'hui que la culture du chiffre est tabou en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'avais aucun étalonnage possible. Je ne savais pas où j'allais, je ne pouvais pas discuter avec qui que ce soit. Donc, compliqué. Et une fois que cette personne m'a dit « c'est déjà possible de le faire », je me suis dit « ok, c'est à deux, comment le faire ?» Et en fait, bah après, je suis arrivé à faire ces 250 000 euros de production. 200 000, c'est beaucoup. Et tu as atteint 200 000 au bout de combien de temps là? 2015, 2016, ça a pris combien de temps? J'ai convergé rapidement à 100, puis 150. Et puis à partir de 2016, on était sur 245 000 de production, tout en gérant un service de gestion, tout en gérant deux salariés, tout en ouvrant une agence immobilière. Et puis, j'en avais parlé, j'ai été prof pendant 2 ans des élèves en Bac plus 3, une formation commerciale sur Nîmes. Donc voilà, j'étais pas à 100% là-dedans, mais en fait, ce qui m'a intéressé, c'était pas de faire une grosse production, c'était de trouver des process qui soient duplicables pour que cette production-là ne soit pas faite grâce à Julien, mais grâce aux méthodes, aux process de Julien que je pourrais enseigner à mes salariés, puis ensuite enseigner à tous les conseillers immobiliers qui me rejoindront dans le futur. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur le projet. Ça a été la clé aussi, le déclic, effectivement, d'être dispensable en quelque sorte et que le business ne dépende pas de soi-même, mais que tu puisses effectivement le reproduire avec des process, si on en a parlé. Donc, cette mise en place de process, ça date de quand? Ça s'est joué sur quelle année? Quelles ont été les étapes? Alors, les étapes, c'est qu'à partir du moment où je commençais à avoir une production, on va dire, correcte, une très bonne notoriété, enfin, commençais à devenir un agent immobilier sérieux et qui commençait à avoir une certaine production, j'ai voulu, on va dire, accélérer la chose et j'ai fait pendant 2 ans et demi des formations et des coachings avec Mike Ferry. Ouais. Mike Ferry, pour celles et ceux qui nous regardent. Tout le monde ne le connaît pas, à mon avis. Hein, donc, ouais, non, tout le monde ne le connaît pas puisqu'il est peu connu en France. C'est le plus grand coach et formateur immobilier au monde, en fait. C'est un Américain qui a même créé la formation et le coaching en immobilier il y a 45 ans. Ouais. Et aujourd'hui, il a 77 ans, donc c'est une personne qui ne vient plus en Europe. J'en suis bien content puisque c'est aujourd'hui pour le coup, un avantage concurrentiel qu'on a est relativement important. Tout est processisé, tout est méthodologie. Et Mike Ferry est très intimement lié avec les méthodologies, notamment de Century 21. Donc, c'est ultra processisé. Et aujourd'hui, ce que je ne trouvais pas, c'était vraiment des process comme on peut en trouver dans le monde de l'entreprise hors immobilier. C'était d'arrêter avec le feeling qu'on entend tout le temps. Fais au feeling, fais au feeling. Le feeling n'est pas duplicable, donc ne marche pas. Et c'était que de la méthode des process. Ça a engendré que il a fallu faire 1, 2, 3 marches arrière pour en remonter 10, 20, 50 après. Mais c'est une phase d'apprentissage. À un moment donné, on est obligé de faire une petite… Combien de temps? Donc, il a fallu quoi? 3 ans pour mettre en place les process, c'est ça? 2015, 2018? Il y a eu une petite période de récession sur 3-4 mois. Et à partir du 6e mois, ça a commencé à s'accélérer. Très vite. Et puis après, voilà, cette production et surtout cette méthodologie-là, au bout de 6-9 mois, ça commence à rentrer dans les mœurs. Moi, je m'entraînais parce que cette méthodologie-là, elle est fondée aussi sur de la mise en pratique. 1 heure de jeu de rôle tous les jours,
5 jours sur 7, systématiquement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout est scénarisé et en fait, on a commencé à dupliquer ça à mes deux collaborateurs avec qui ben, on a fait cette production-là l'année dernière et puis l'année d'avant. Et chaque année, ben, en fait, c'est linéaire. Puis, cette méthode-là est proactive, ce qui fait qu'aujourd'hui, qui est la crise, les taux d'intérêt qui remontent aux hautes, c'est le dernier de nos problèmes parce qu'aujourd'hui, notre chiffre d'affaires est en constante évolution que par les process et la méthodologie totalement proactive. Donc ça a vraiment été déclenché au travers de ce coaching avec Mike Ferry et c'était bien sûr une formation de plusieurs jours et puis derrière un coaching pendant 2-3 ans. C'est-à-dire que tu as été coaché pendant plusieurs années. Ouais, c'était un coaching hebdomadaire. C'était deux semaines par an devoir aller en Italie. C'était deux semaines par an devoir aller en Belgique pour se former. C'était d'aller tous les 3 mois en Italie pour faire la prospection intensive, c'est-à-dire passer entre 50 et 100 coups de téléphone pendant 2 ou 3 jours consécutifs. Donc, c'était vraiment une sortie totale de la zone de confort, mais quelle est la performance et à ce que j'enseigne moi aux conseillers, c'est vraiment c'est l'efficience, c'est-à-dire c'est l'efficacité en minimisant les ressources. Ok, donc ton conseil, c'est de la formation, des process, de la méthodologie pour… comme toute entreprise, pour se développer. Donc, ça, c'est clair. Totalement. Donc, moi, ce que j'ai entendu aussi de ton parcours, et on va en parler, c'est qu'il y a une accélération très forte, donc mise en place 2019 et surtout 2020. Tu me disais au début de l'année 2020 ou fin 2019, vous étiez 30, c'est ça? Ouais. Ben, en fait, on était 4 fin 2018, hein, jusqu'à ce qu'on lance la partie hybride de la structure en avril. J'ai recruté mes 6 premiers conseillers, je dirais réseau, ce que j'appelle réseau, en avril 2019. On était 30, moi-même compris à la transaction, puisque jusqu'à l'an dernier, je faisais de la production. Et on a fini l'année 2020, on a un peu plus de 150 conseillers. Et on a, puisqu'on a une licence de marque hyper intéressante pour les agences aussi, on a recruté 5 agences immobilières là sur les 3 derniers mois de l'année, on va dire 2020. Et vous finissez à 150. C'est-à-dire on est un peu plus de 150, c'est ça, avec 11 agences immobilières même aujourd'hui. Donc, en un an et demi, on est passé de 30, voilà, de 30 à 150. Ouais, c'est sympa. Avec un recrutement ultra qualitatif, c'est-à-dire que nous, le slogan en tout cas, c'est réseau sélectif et exigeant de conseillers d'agences immobilières. Donc, on n'est pas du tout dans le recrutement de masse. On a moins de 10% de reconversion. Ce n'est pas du tout la cible que l'on recherche puisque je connais, comme tout professionnel, la difficulté de ce métier-là. Et qu'aujourd'hui, on est tout sauf dans le rêve. On ne dit pas que c'est facile, on ne dit pas qu'il faut travailler 4 jours par semaine, on ne dit pas qu'ils vont gagner 20 000 euros par mois. C'est un métier qui est très difficile. Par contre, on a la capacité de leur offrir une recette et un environnement qui fera que s'ils appliquent ce qu'il faut et qu'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils auront des résultats certains et que chaque année, ils augmenteront leur chiffre d'affaires de manière constante. Ouais. Donc ça, c'est pour effectivement ceux qui te rejoignent. Donc, c'est la licence de marque. Donc, c'est au travers de la méthodologie. Donc, tu les coaches, tu les accompagnes, tu leur fais des formations tous les lundis. Tu m'as dit donc lundi fin de journée, c'est ça? Alors, il y a plusieurs choses. Ouais, complètement. Alors, c'est-à-dire que nous, la formation, c'est vraiment la chose et la mise en pratique puisque la formation est un jeu de rôle numéro un dans la structure. Ouais. On a sur la partie formation, il y a une formation d'intégration qu'on propose au conseil de 8 jours qui est hyper dense. Il y a une formation mensuelle. Il y a tous les jours un point formation de 11h à midi. Lundi juridique, mardi métier, mercredi digital, jeudi logiciel, vendredi liaison logiciel métier. Il y a 2 coachings transactions par conseiller par mois, 2 coachings digitaux par conseiller par mois et 3 mises en pratique avec des jeux de rôle 3 fois par semaine. Donc franchement… Là, il y a de la formation. Là. C'est plus que de la formation. Il y a de l'accompagnement au jour le jour. Sur les thématiques variées, effectivement, ok, très clair. Totalement. On comprend qu'effectivement, la performance, ça passe par la formation et l'accompagnement. Très clair. Donc, ça, c'est la situation aujourd'hui. Le groupe C2I, donc, tu te considères aujourd'hui comme un entrepreneur, comme un spécialiste de l'immobilier, comme un gestionnaire? C'est quoi? C'est un coach? On va dire que je suis un entrepreneur passionné par mon activité qui n'a aucune frontière entre sa vie pro et sa vie perso, parce que c'est vraiment pour moi un métier passion. Ouais. Que je me lève le lundi matin ou le dimanche, c'est pareil. Le week-end, je suis le plus heureux du monde d'être avec mes 2 enfants. Et puis le lundi, je suis heureux de pouvoir développer la structure et surtout contribuer au bonheur des conseillers et des affiliés qui sont chez nous. Et je suis aussi formateur et coach passionné. Et je me forme moi-même pour vraiment… je voulais avoir cette ressource en interne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne voulais pas, comme beaucoup de structures, confier la formation à des externes, bien que des externes interviennent,
mais je voulais vraiment qu'on ait notre ADN et nos propres process méthodologie. C'est pour ça que j'ai mis, je dirais, autant de temps finalement à sortir ce projet-là, parce que je me suis dit, voilà, le jour où on le sort, c'est pour que ça fonctionne. Ce n'est pas un essai. L'essai, on l'a fait pendant 10 ans. Maintenant, on sort ça avec tout le travail qu'il y a derrière. Il faut que ça fonctionne. Oui, ce n'est pas arrivé par hasard. C'est-à-dire que c'est une maturation. C'est-à-dire que ce projet ne pouvait pas avoir lieu avant toutes ces, enfin, même ces difficultés. C'est finalement les difficultés, les épreuves hein, qui t'ont permis de construire ça. Effectivement, ça fait, il a fallu 10 ans pour être prêt, en tout cas, à lancer ce réseau. Tout à fait. Et en fait, voilà, la difficulté fait partie de. Et après, je vais donner une anecdote dont je t'ai pas parlé, mais qui est d'actualité, qui va un petit peu représenter, on va dire, le chemin depuis ces 13 dernières années. On va mercredi signer nos nouveaux locaux. On va avoir 1000 mètres carrés sur Nîmes. Donc, on va ouvrir. Alors, on expliquera dans quelques temps notre dénomination. On va appeler ça une agence immobilière XXL et un pôle de travail multifonction avec du coworking, de la synergie, tout ce qu'on veut. J'ai signé un compromis en mars avec grosso modo 40% d'apport. D'accord ? Donc, c'était un dossier relativement honorable pour les banquiers. Arrive le confinement, donc à l'arrêt au niveau des banques. Le temps passe, juillet, août, septembre, dossier présenté, acceptation d'une banque. On attend les offres de prêt il y a à peu près 4 semaines. Puis, je reçois un mail de mon banquier qui m'explique tout gentiment par mail, bien sûr, pas par appel ni par rendez-vous, qui ne va pas nous suivre sur le projet pour l'instant et qu'il faut attendre le deuxième trimestre 2021 au vu de toute cette incertitude. Voilà, OK. Donc, en fait, il nous manquait à peu près 450 000 euros pour financer le projet. J'ai dit à mon associé, qui est mon meilleur ami et qui est aujourd'hui à mi-temps dans l'entreprise et qui lui s'occupe de tout ce qui est comptabilité, fiscalité, juridique, donc pas du tout la stratégie, le commercial et tout ça. C'était à peu près 19h quand j'ai reçu le mail. Je me suis dit, il a dû l'envoyer en quittant le bureau, le banquier, il est très courageux. Qu'est-ce qu'on fait? Regarde, on doit signer l'acte dans 3 semaines, dans 2 semaines même, c'était, et il nous manque 350 000 euros, sinon on fait péter le projet. Et je lâche jamais rien, ça ne donne jamais. Donc je lui dis, regarde, Guillaume, ce qu'on va faire. Je vais envoyer un mail à tous les conseillers du réseau. Je vais leur dire, OK, les gars, il nous faut 350 000 euros pour dans 10 jours. Vous pouvez participer à partir de 5 000 euros jusqu'à ce que vous voulez. Demain, je fais une vidéo sur les réseaux sociaux. Je l'envoie sur Facebook, sur LinkedIn. On voit ce que ça donne. Et en fait, on a récupéré 350 000 euros en fonds propres grâce à des anciens clients, grâce à des clients actuels, grâce à des conseillers chez nous, grâce à des personnes du monde de l'immobilier au niveau national, grâce à des mandataires chez nous pour pouvoir faire cette acquisition. Donc, c'est pour dire, en fait, l'idée, c'est de jamais rien lâcher et de le non, en fait. Ce que moi, j'essaie d'enseigner aux conseillers en dehors de toutes les méthodes et des process, c'est que le non n'existe pas, en fait. Le mot non ne fait pas partie de mon vocabulaire. C'est non, pas encore. Ou c'est, mais le non, et c'est vraiment un état d'esprit que j'essaye, c'est difficile, mais en tout cas d'insuffler vraiment aux conseillers vis-à-vis de leur clientèle. C'est-à-dire que j'étais vraiment face à mes vendeurs à ne pas accepter un non. L'exclusivité, c'est non, monsieur Raffin. Je revenais par la porte de gauche, par la fenêtre, par la cheminée. Mais ce que je me disais, c'est qu'ils ne savaient pas encore, mais ça allait être oui. C'est une question de temps. Mais ça, c'est un état d'esprit que j'ai acquis en fait avec le temps et grâce à toutes ces embûches, si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas grâce au parcours. Oui, ça, c'est vraiment tout. C'est presque ton ADN aujourd'hui. Ouais, c'est ça. L'ADN des entrepreneurs qui réussissent. Alors, pour revenir justement sur le parcours du succès et les conditions de réussite, j'aimerais qu'on passe en revue un certain nombre d'items. Et on commence par le recrutement, qui est certainement clé, en tout cas, pour développer une activité, donc ouais. Celle que tu as. Et sur quels critères, aujourd'hui, tu recrutes tes collaborateurs? Comment ça se passe? Et donne-nous effectivement les critères clés qui te permettent de recruter. Comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que tu as un process bien établi? Alors, le premier critère clé, c'est qu'il faut, d'ailleurs c'est comme ça, c'est la première, je dirais le premier visu de notre vidéo de présentation, il faut qu'il y ait des valeurs communes. Aujourd'hui, on a des valeurs, alors les valeurs, on en entend partout. Nous, les valeurs, c'est pas de la com, c'est qui on est, ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on on a besoin aujourd'hui d'avoir des personnes qui nous apprécient et qu'on apprécie. C'est impératif chez nous. Donc, des valeurs de bienveillance, de partage, de performance, des personnes intègres, honnêtes, professionnelles. C'est vraiment l'ADN du réseau, c'est les valeurs de nos conseillers. Ce qui fait qu'en fait, quand on fait une formation d'intégration avec 30 ou 40 personnes, tout de suite, ça match. On a eu très peu de cas, c'est-à-dire sur 150 conseillers actifs, on a dû en recruter peut-être 155. Il y en a 5 avec qui ça n'a pas fait l'affaire relativement vite, de façon bilatérale, parce que moi, l'individualiste qui veut écraser tout le monde, quelle que soit sa production, il ne m'intéresse pas. En fait, c'est un peu comme une équipe de foot, c'est-à-dire il faut le collectif, pour moi, primera toujours sur l'individualité, quelle que soit la chiffre d'affaires des conseillers, quelle que soit leur, je dirais, leur connaissance, tout ce qu'on veut. C'est le collectif est toujours plus important. Et c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, l'environnement qu'on va,
offrir à nos conseillers, c'est ce qui est le plus important. C'est un environnement qui permet de réussir. Il y a, nous, dans le réseau, il n'y a pas de, de jugement. Personne ne connaît le chiffre d'affaires de l'autre s'il ne veut pas en parler. Il n'y a pas de podium, il n'y a pas tout ça. Chacun il travaille à son rythme. Mais comme je dis, votre objectif, c'est celui sur lequel vous voulez vous battre parce qu'il y a du sens pour vous. Moi, quelqu'un qui me dit « je veux faire 60 000 euros par an parce que j'ai besoin de ça pour vivre, parce que mon mari ou ma femme travaille et c'est ce qu'il me faut », je vais l'amener à 60 000. Et c'est magnifique, tant mieux. Celui qui veut 250, je vais l'amener à ça. Par contre, je ne vais jamais mettre des conseillers en concurrence. Lui, il est bon, toi, tu n'es pas bon, nous, ça ne marche pas du tout comme ça. Donc, Alors, on a justement une question et tu me parlais de ta politique de fidélisation des collaborateurs parce qu'il faut les fidéliser, les bons, hein, et effectivement, vu qu'ils restent chez toi, qu'ils partent ailleurs. Tu les recrutes principalement sur quel statut? C'est la question de Caroline. Alors, aujourd'hui, en tout cas, sur la partie réseau, nos conseillers sont aujourd'hui des agents co, donc des mandataires. Ouais. J'avais uniquement des salariés, puis on est passé sur un modèle à un moment donné entre salariés et agents co. Aujourd'hui, le recrutement se fait sur le statut de mandataire. Après, on pourra parler des conditions si ça intéresse des personnes. Mmh. J'ai les salariés, mais les salariés, je veux dire, aujourd'hui, la structure n'est plus une structure immobilière. On est une structure avec un back-office. C'est-à-dire que j'ai, on va parler, si tu veux, du corps salarial de l'entreprise. J'ai Gaël qui est salarié chez moi depuis 10 ans, qui est passé par stagiaire, alternance, transac. Maintenant, il est responsable d'agence. Il fait aussi de la formation et du coaching dans le réseau, qui est salarié. J'ai Charlotte qui a fait pendant 4 ans de la transac et qui est avec moi également sur les chiffres. On pourra en parler pareil de peut-être de ce qu'on a fait l'an dernier qui nous ont permis de gagner le prix. Donc, 4 ans de transac, c'était une reconversion. Elle est rentrée stagiaire, salariée. Maintenant, elle s'occupe de la partie communication du réseau. On a une graphiste salariée, on a une juriste aussi. On a une personne en prestat externe qui s'occupe de l'intégration du recrutement. Je vois qu'il est là, Maxime, et je te salue. On a une assistante réseau, on a une assistante agence, on a une gestionnaire. Donc voilà, ça c'est un petit peu la structure. Ça, c'est back office. Ouais, back office. En prod direct, on a donc une personne à la location égale qui fait de la transaction. Et sinon, les restes sont aujourd'hui des mandataires. Alors, on demande justement, merci, des précisions sur le terme de rémunération, effectivement, quelles conditions? Si tu peux donner peut-être un… Ah oui, je vais donner ça. Par contre, je veux juste faire une aparté sur le recrutement. Après, je réponds à la question. Bien sûr. Le recrutement, en fait, pour pouvoir moi proposer quelque chose d'intéressant et de différent, j'ai en 2018, avant de lancer le réseau, j'ai rencontré à peu près 150 conseillers immobiliers de tout panel, de tout secteur géographique, agence tradie, agence de réseau, mandataire. Et je leur ai posé plein de questions. Qu'est-ce que tu aimes là où tu es? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Explique-moi quelle serait la structure idéale pour toi. Quelle est la limite? Ça, et en fait, je me suis aperçu finalement qu'il y avait deux modes et deux modèles économiques qui s'affrontent et qui s'affrontent encore, hein, parce que c'est des guerres de clochers, de bas étage, mais c'est comme ça. L'agence immobilière tradie du monde duquel je suis issu moi depuis 13 ans, nous disait les mandataires, c'est des bricoleurs, ils travaillent de chez eux, ils ne sont pas sérieux, c'est n'importe quoi, c'est des charlots, tout ce qu'on veut. Par contre, je leur ai dit, les gars, à un moment donné, si certains ne sont pas dans les agences, c'est qu'il y a peut-être une raison. Au lieu de crier, demandez-leur pourquoi, chose que j'ai fait. Et très souvent, c'était quoi? Tout ce qui est contraignant, permanence obligatoire, alors que 8 sur 10 ne sont pas salariés. Réunion audit totalement inutile, puisque le manager n'est tout sauf un manager. Il s'est propulsé manager sans se former, donc en fait, il ne sait pas faire. Il fait mal et ça saoule. Gros plafond de rémunération, clairement. 50, ben, c'est déjà commun sur le marché. Et aucune perspective d'évolution. Deuxième côté, les mandataires, réseaux nationaux ou régionaux, très souvent livrés eux-mêmes. Cannibalisme entre eux. Manque d'outils, pas d'accompagnement, pas de coaching. Je me suis dit, OK, tu prends les deux mondes, tu fais un mix et tu fais ta structure. Donc voilà, en fait, c'était tout. Et je me suis dit, et après je réponds à la question, quels sont les trois éléments clés pour que le réseau fonctionne? Oui. Premier élément, c'est l'environnement, on en a parlé tout à l'heure, un environnement propice à la réussite grâce à une équipe commerciale à l'image de l'entreprise, gentille, à l'écoute pour aider, que ce soit le back-office ou les conseillers. Deuxième chose, le meilleur système de formation, d'accompagnement et de coaching, on en a parlé tout à l'heure. Et troisième chose, les meilleurs outils d'aujourd'hui, demain, pour que les conseillers puissent performer, c'est-à-dire, eh ben ouais, ça coûte cher, mais il faut avoir les meilleurs outils, hein. Aujourd'hui, un bon artisan, il ne va pas travailler, tu prends un peintre, il ne va pas bosser avec les premiers prix de Brico Dépôt en peinture, ni avec les rouleaux au premier prix. Donc, c'est obligatoire. Et après, il y a la rémunération, bien entendu. Donc, notre rémunération, aujourd'hui, elle est sur deux niveaux. On a une rémunération entre 0 et 60 000 euros hors taxes de production, de l'ordre de 70% pour nos conseillers. Mmh. En dessus de 60 000 euros hors taxes de production, ils sont à 90%. OK. Et en dessus, et ça, ils ne sont même pas au courant, c'est la première fois que je vais le dire en public. Moi, j'ai un live de
S'il y en a que ça intéresse, le recrutement à 18h30 ce soir, c'est le hasard, j'en fais un tous les deux mois, donc je le fais sur ma page Facebook tout à l'heure. Et d'ailleurs, mes conseillers ne sont même pas au courant, ce qui est drôle, c'est on va dire la surprise de début d'année, puisqu'il y en a qui sont concernés. En dessus de 200 000 euros de production, je vais leur laisser 100% d'honoraires. Tout ce qui est au-dessus, effectivement, ouais. C'est 100%. Là, on était plafonné à 90%, et j'ai parlé avec deux, trois négos qui font de la belle perf, et je leur ai dit, j'y réfléchirai. En fait, j'ai tourné tout à l'heure la vidéo de recrutement, je vais l'annoncer tout à l'heure. Donc voilà, en gros, de 0 à 60 000 euros, 70%, et de 70 à 200 000, 90%. Voilà. Très clair. Effectivement, donc je pense que c'est une bonne méthode. Quand est-ce que tu as pris conscience que les deux mondes ne s'opposaient pas, mais qu'au contraire, ils pouvaient être meilleurs ensemble? Beaucoup l'ont fait, hein, comme Keller Williams. Puis il y a beaucoup de modèles qui se lancent, qui s'inspirent, hein, de ce modèle qui rassemble le meilleur des deux mondes. Ça date de quand? C'était venu quand cette idée-là? Depuis toujours, en fait. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai pas de concurrent, en fait. On a des agents qui sont concurrentes. Moi, j'ai zéro concurrent. Aujourd'hui, déjà, je me dis, chacun travaille, le concurrent, c'est le particulier. Et c'est pas du tout de la démagogie. Aujourd'hui, nous, on avance. Les ventes qu'on fait à titre perso, aujourd'hui, si moi j'ai lancé le réseau, c'est pour une aventure entrepreneuriale. Parce qu'avec le chiffre qu'on fait, la prod perso que j'ai, en termes de, je dirais, financier, de rémunération, c'était amplement suffisant. Moi, j'ai aucune aspiration matérielle importante. Je fais ça parce que ça me donne de l'adrénaline, du kiff, en fait. Et qu'aujourd'hui, si je travaille, que j'ai monté ma boîte, c'est pour kiffer, en fait. Même dans la difficulté, mais pour kiffer quand même. C'est le plus important et ça restera toujours. Donc le réseau, il a été fait pour une belle aventure entrepreneuriale. Et je vois un peu les commentaires. En fait, le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, les agences immobilières qui vont. Tout le monde peut le faire. Une agence immobilière peut le faire parce que si elle ne le fait pas, de toute façon, elle se fera piquer ses conseillers par les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, il faut être clair. Depuis le début, je le savais, c'est-à-dire que je voyais des mondes qui s'opposaient. Mais en fait, ils s'opposent pour une seule et bonne raison, c'est qu'ils ne se connaissent pas du tout. Aujourd'hui, quand je parle moi avec mes confrères d'agence, ils ne savent pas ce que c'est un conseiller indépendant. Aucunement. Quand je parle avec mes mandataires, ils ne savent pas du tout ce qu'est le monde de l'agence. Et après, il y a ceux qui ont vécu les deux, qui ont leur libre arbitre et de dire ce qu'il en est. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as un conseiller en agence, et on le sait, puisqu'aujourd'hui, nos licences de marque agence, ils travaillent sur nos rémunérations. On a une agence immobilière qui est à côté de Marseille, qui nous a rejoint il y a 3 ou 4 mois. On a une autre qui est sur Salon, qui nous a rejoint il y a 5 mois. Ils ont, en 3 ou 4 mois, recruté plus qu'en 5 ans ou 8 ans d'existence. Ils ont recruté des personnes en agence qui tournaient à 150, 200 ou 220, donc des très bons producteurs, à un claquement de doigts. Au moment où on leur a dit il y a ça, ils sont venus. Et en fait, c'est malheureux. Hein. Il y a des agences immobilières entières, des équipes commerciales qui sont parties. Et c'est ce qui va se passer à un moment donné si l'agence immobilière n'a pas d'avantage concurrentiel. Puisqu'aujourd'hui, on est sur un monde à 360 degrés. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'opposer. On est sur le même. En fait, aujourd'hui, moi, mes clients sont mes mandataires. Mais j'ai un devoir d'exemplarité et de donner le meilleur de ce qui se peut se faire à mes mandataires, comme je faisais à mes clients. Parce que si tu ne le fais pas, le problème que tu as, c'est qu'ils vont partir. Et le plus grave, quand tu es dans une agence, comme j'ai été pendant 11 ans, si tu as un conseiller qui part et qui tourne, tu es fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un modèle économique qui n'est pas viable. Tu as 1 ou 2 conseillers qui tournent et après, la fidélité a ses limites. Et je sais de quoi je parle, ça fait aussi partie de mon parcours où j'avais des conseillers ou des conseillères qui étaient les plus fidèles au monde, je pensais. Sauf qu'à un moment donné, chacun a ses impératifs financiers, doit nourrir ses gamins et part là où le soleil brille le plus. Et c'est vrai que j'ai vécu ça, moi, de l'autre côté. Et je me suis dit, aujourd'hui, tu ne peux pas avoir 1 ou 2 ou 3 conseillers qui te font l'appui et le beau temps. C'est beaucoup trop risqué parce que s'ils partent un jour, c'est fini. Voilà. Donc, cette volonté de développement et de rétention donc des meilleurs, mais aussi au travers d'une politique de développement, de formation et d'accompagnement. C'est ce que tu nous as présenté. Effectivement, et faire travailler ensemble les deux mondes. Il y a eu plein de questions. Alors, quelles sont les conditions de la licence de marque? Bon, soyons fous, allons-y dans le détail. Peut-être qu'on ne dira pas tout, mais… Moi, je suis ultra transparent. D'ailleurs, j'envoie des vidéos où il y a tout qui est indiqué, mes chiffres. D'accord. Je suis tellement à l'aise avec tout. Rapidement, parce qu'on a d'autres questions. Ouais, voilà. L'idée, c'est pas de faire la promo en plus de ça. Et vraiment, on aura le temps d'en discuter au contraire. Je pense. La licence de marque, en gros, il y a une redevance fixe qui est de 499 euros. Il y a une redevance variable de 9%, de 0 à 200 000 euros, de 5% en dessus. En fait, ce n'est pas un coût, c'est le meilleur investissement qui peut être fait parce que derrière, il va y avoir tout qui est fourni, les formations, les méthodos, les process. C'est nous qui nous occupons de former, d'encadrer, de coacher les négos, de faire monter en compétences les chefs d'agence dans le management, dans le coaching, dans tout ce qu'on veut, de faire passer une agence tradie qui a 2 ou 3 conseillers à 5, 10, 20, 50, autant qu'elle en veut. Et on leur donne surtout aussi, on leur fait profiter de toutes les politiques tarifaires qu'on a avec
le bon coin, se loger, enfin voilà, notre pack à nom. Donc c'est hyper intéressant, voilà, en gros, pour ne pas faire de l'auto. Alors, on voit qu'il y a un avantage concurrentiel, il y a vraiment un travail qui est fait dans la formation, l'accompagnement, le développement et effectivement des conseillers, qu'ils soient internes ou en tout cas mandataires. Et, alors, on va quand même passer en revue le basique d'une agence immobilière, en tout cas les indispensables, pour moi, ce qui aujourd'hui, pour moi qui suis externe, mais qui comprend ce métier, qui font partie quand même des recettes du succès. Donc, la mise en avant des biens, qu'est-ce que vous faites de particulier chez C2I? Comment ça marche? Puisqu'on va arriver au palmarès à la fin, mais qu'est-ce que vous avez créé de nouveau sur la mise en avant des biens? Est-ce qu'il y a une recette particulière? Alors, nous, la mise en avant des biens, on s'est toujours dit aujourd'hui, principe de base de stratégie, tu as soit une domination par les coûts, soit une valeur perçue par le client qui est supérieure. Depuis le début, on s'est dit de toute façon, on doit offrir à nos clients vendeurs, hein, la meilleure expérience client et donc la meilleure prestation de service. Donc, en fait, on a été à la première édition du RENT il y a 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus en fait. Et je suis tombé sur, c'était totalement novateur, visite virtuelle, HDR et tout ça. En fait, j'étais à Walt Disney là-bas. J'ai tout pris. Et du coup, notre standard, c'est quoi? Après, on travaille en exclusivité aussi sur la partie salariale agence. Et j'ai aussi, je dirais, deux agents co qui sont, entre guillemets, je ne vais pas dire affiliés salariés, mais qui travaillent dans les locaux, qui ont un secteur agence, obligatoire d'être en exclusivité avec, pour tous les mandats du coup, photo HDR, grand angle, retraitement obligatoire, visite virtuelle de tous nos biens sans aucune exception. C'est pour ça qu'on n'a pas attendu le confinement en fait pour ça. Et qu'en fait, quand le confinement est arrivé, moi, pour les agences, ben en fait, de toute façon, nous, aujourd'hui, on ne tolère pas. Et c'est pareil en location. C'est-à-dire en location, on parle d'une cote d'honoraire moyen à 800 euros. Quand on a 8200 euros sur la transac, donc 10 fois moins élevé, on fait de la visite virtuelle automatique. Aucun client locataire visite un bien s'il n'a pas fait une visite virtuelle. C'est ce qu'on appelle un process. Et donc, par définition, le process, on ne peut pas passer outre. Donc, j'ai aimé l'image que tu m'as dit, je suis allé sur le Rennes, j'ai tout pris. Voilà, tu ne t'es pas posé de questions. Je pense que ça résume bien la politique. C'est-à-dire que tu prends tout ce qui est nouveau, ce qui permet de mettre en valeur le bien. C'est bien ça, c'est-à-dire que tu as le maximum. Après, bien sûr, on va travailler, je dirais, sur du upselling virtuel avec du Rénov. On va travailler avec du plan 3D, avec du Rénov ou du plan Titol. On essaye de mettre en avant. Alors ça, c'est tout ce qui est digital. Après, à côté de ça, on est aussi capable d'apporter une prestation de service sur mesure. Et ça fait d'ailleurs partie de nos prestations. Moi, j'ai organisé des déménagements, on a organisé des débarrassages de maisons, vider des maisons, faire les espaces verts, repeindre des pièces, on fait tout. À partir du moment, on est entrepreneur, j'ai une com moyenne à 8000 euros. Je connais mes taux de transformation, mes ratios. Donc, je sais exactement qu'est-ce que me rapporte un mandat rentré. Je connais mes taux de ratio en exclusivité. J'ai aucun problème à mettre 1000 ou 2000 euros pour payer des prestations qui paraîtraient folles à un client vendeur qui va m'en rapporter 8000, puisque j'ai un ratio à x4 où je vais gagner, plutôt que d'aller ne serait-ce que passer une heure chez un client en mandat simple que je ne vais pas vendre, parce que là, c'est de l'argent perdu. Donc, en fait, c'est toute une réflexion dans le qualitatif qui permet aujourd'hui de gérer des portefeuilles ultra serrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, on a des portefeuilles mandats qui n'ont jamais été aussi faibles. On travaille quasiment en flux tendu, alors qu'avant, on était sur des portefeuilles 25 mandats par négo, et sinon, je gueulais si on n'avait pas ça il y a 7 ou 8 ans. Alors que là, aujourd'hui, c'est totalement ridicule. C'est très clair. Merci, Julien. Les avis clients, alors comment est-ce que ça marche? Est-ce que ça sert à quelque chose, les avis clients? Et comment tu fais aujourd'hui? Comment ça se passe chez toi? Aujourd'hui, nous, on travaille avec Opinion Système, très belle société, avec Jean-David Lépineux aussi, une personne vraiment généreuse au top. Donc, on travaille avec eux depuis le premier rent aussi, je crois. Parce que gage de qualité dans notre méthode de travail, on s'appuie beaucoup sur la recommandation et sur notre e-réputation avec Opinion Système et nos avis clients certifiés. Claire. Donc, en tout cas, c'est mis en avant et ça sert, on le sait, hein, ça fonctionne les avis clients. L'agence immobilière, la vitrine, quelle était la réflexion et est-ce que ça sert à quelque chose encore aujourd'hui une vitrine, une agence? Alors, ouais, la vitrine, je pense qu'aujourd'hui, on en avait parlé un petit peu ensemble. Aujourd'hui, quand j'entends des mandataires qui disent l'agence immobilière traditionnelle est morte, ça sert à rien, ils ont totalement faux. Aujourd'hui, moi, par exemple, les vitrines que j'ai sont dans des zones que je qualifierais de zones rurales. Bouillargues, 6500 habitants, Manduel, 6500 habitants, oui, Garonne-Saint-Ville, voilà. Aujourd'hui, on est commerçant dans le village, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rentre dans l'agence immobilière. Il suffit juste, encore une fois, de connaître ces chiffres. Je sais combien de personnes rentrent, combien ça me génère. À côté de ça, je sais combien ça me coûte. À partir de là, et je ne compte pas aussi l'avantage d'avoir des locaux pour recevoir. Les salariés, il faut bien qu'ils travaillent quelque part. Donc, une agence immobilière traditionnelle, oui. Par contre, dans une grande ville, dans une ville comme Nîmes, où nous, on a eu
J'ai eu pendant 8 ans une agence immobilière. Non, tu es sans, tu n'as aucune différenciation. Les clients, ils rentrent, ils sortent, ils voient un logo, une lumière, ils rentrent, ils ne savent pas pourquoi. Ce n'est pas qualitatif. Là, la structure XXL a tout son sens. Claire, donc tu distingues, effectivement, tu dis que finalement, c'est là où il y a un petit patelin, ça peut faire sens parce que ça va être vu, ça va être visible, remarquable. Ouais. Et puis finalement, dans une grande ville comme Nîmes, on va avoir une démarche nouvelle avec un grand centre, voilà, pour accueillir les clients, bien sûr, former aussi, j'imagine, tous tes conseillers. Très clair. Tout à fait. Très clair. Le site web, est-ce que ça sert encore à quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait avec le site web? Alors, j'ai répondu, juste, pardon, tu m'avais posé la question de l'intérêt de la vitrine. La vitrine, aujourd'hui, depuis bien longtemps, on ne met plus, en fait, on met que très peu d'offres, très, très peu. On met plutôt la gazette, des informations sur le village, des témoignages clients, des photos de l'agence. On communique. Voilà, aujourd'hui, ça ne sert à rien de mettre des biens tout le temps. La personne, si elle veut acheter, elle va aller sur Se Loger, sur Le Bon Coin, sur Logitimo, comme tout le monde. Au pire des cas, elle rentrera en agence. Celui qui passe tous les jours depuis 10 ans à regarder tes annonces, il n'achètera pas. Donc, vaut mieux qu'il y ait de l'information qui va l'intéresser, la météo, les infos, l'horoscope, diverses choses, pas nécessairement l'immobilier. Et le site internet aujourd'hui, disons que c'est une vitrine sur laquelle on est en refonte. Là, on a encore des choses qui vont être mises en place sur notre site sur la dernière semaine de janvier pour qu'il soit totalement opérationnel. Donc, l'idée, c'est que les clients sachent qui on est, puissent retrouver nos biens, puissent faire des visites virtuelles de nos biens, puissent avoir les biens en format vidéo. Donc voilà, c'est vraiment un espace qui va permettre, je dirais, la transition entre j'ai vu un bien sur Internet et je contacte l'agence. Donc le site web, tu fais quoi? Tu le positionnes? Vous investissez beaucoup en pub avec Google? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on n'investit pas énormément là-dessus pour la seule et bonne raison qu'on est en concurrence avec des mastodontes et que je préfère investir en local sur des choses sur lesquelles j'aurai un retour sur investissement, de la gazette informationnelle par exemple, plutôt que d'aller me battre contre meilleurs agents pour les estimations ou aller me battre contre Se Loger et Logitimo pour la visibilité de mes annonces. Donc voilà, on va dire, j'aime pas trop les guerres où tu sais que c'est plus ou moins perdu d'avance. Donc on essaie de se battre avec nos armes en réfléchissant différemment. Aujourd'hui, surtout, en fait, ce qui est intéressant pour tout le monde, hein, je pense que tout le monde nous joindra sur ce point de vue-là, c'est le lead vendeur, c'est ça qui nous intéresse, c'est d'aller récupérer et générer du lead vendeur. Et pour ça, j'ai toujours l'habitude de dire au négo, il y a trois options pour générer du lead vendeur. Première option, le conseiller immobilier qui va être passif. Je t'attends dans ton bureau qu'on t'appelle. Ça peut durer très loin en général, mais à l'issue, c'est le pôle emploi parce qu'après, ça ne marche pas. Deuxième option, acheter du lead. C'est à la mode, tout le monde nous vend du lead. À l'arrivée, on payera plus cher le lead que ce que ça nous rapportera. Troisième option, tu es proactif. Méthodologie proactive, moi, les conseillers, c'est 2 heures de prospection par jour. On a des process, des scénarios. C'est comme ça qu'on va chercher du business, des écosystèmes de fidélisation client, plutôt que… parce que sinon, après, on se bat contre des personnes qui sont beaucoup trop costauds. C'est des multinationales dont c'est le cœur de métier. Donc après, voilà, l'acquisition de leads en ligne. Et puis aujourd'hui, l'acheteur, il nous trouve, qui converge par Se Loger. C'est pareil, il arrive chez nous et après, on va le fidéliser à notre environnement naturel. Donc, de la prospection tous les jours. Voilà, de la pige en tout cas et sur le terrain, j'imagine aussi. Prospection téléphonique, prospection physique, voilà, prospection digitale, divers canaux de prospection. Alors, on en parle justement, il y a des questions. Caroline, la com digitale, donc justement, on va partir sur les réseaux sociaux. C'est quoi qui l'emporte? C'est Facebook aujourd'hui? C'est quoi l'approche digitale? Alors, la communication digitale aujourd'hui, c'est vrai qu'on a maintenant une personne qui s'occupe de la communication et on commence des coachings digitaux avec nos conseillers. Bien sûr qu'aujourd'hui, on va axer cette formation-là sur Facebook puisque… Alors, ça va dépendre encore une fois de la cible des personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Mais aujourd'hui, pour une cible d'un client lambda sur Facebook, il va y avoir notre client. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est déjà d'avoir une stratégie locale, toujours locale, mais digitale. Donc, d'être dans les groupes locaux, T de Nîmes, si, enfin, tous ces groupes-là, d'apporter du contenu. Nous, on est toujours dans une notion d'apporter de la valeur avant de demander. Donc, du contenu, de l'intérêt, des infographies, les prix au mètre carré, des interviews des commerçants. Et à partir de là, effectivement, on génère petit à petit du lead. Alors, ce n'est pas en claquant du doigt, et c'est qu'une petite partie de notre acquisition de lead. Mais en tout cas, petit à petit, on a une visibilité, notamment sur Facebook. Après, moi, à titre perso, je vais travailler aussi sur Instagram et sur LinkedIn. Maintenant, je ne peux pas dire que c'est grâce à Instagram que je vais générer du contact. Et LinkedIn me sert plus dans une optique de recrutement, plutôt en B2B, sur un réseau social où il y a moins d'intensité concurrentielle là-dessus par rapport à d'autres réseaux, où chaque conseiller est aujourd'hui devenu recruteur, ce qui est complètement aberrant. Donc, et on est inondé de ça sur Facebook aussi. Ok,
Clair. Donc, plutôt Facebook, et c'est une personne en interne hein, qui s'occupe en interne de ce community management. C'est une personne en interne, très clair. Pour générer des leads, en tout cas, apporter du contenu d'abord. Hein, et puis, effectivement, à une politique où on va récupérer les contacts ensuite. Très clair. Pour les équipes, alors on a beaucoup parlé des équipes, beaucoup parlé de formation, mais c'est revenu hein, avec Laetitia qui rebondit sur le projet XXL, ça a marqué en tout cas. C'est la formation des conseillers immobiliers. Et cela dont vient une formation à la carte. Alors, donc, là, il y a une question. La question, c'est la formation, c'est pour aussi accueillir, j'imagine, les clients dans ce. Alors, ouais, dans nos locaux, donc qui doivent voir le jour, je dirais, au 1er avril, en sachant qu'on commence les travaux jeudi, il y aura plusieurs choses. C'est-à-dire, c'est contrairement à d'autres structures, nous, c'est pas un outil du tout pour faire rêver les conseillers. Nous, on n'est pas du tout dans le rêve. C'est un outil qui doit permettre aux conseillers de performer. C'est-à-dire que dans cette structure-là, en tout cas, il y a deux bâtiments. On va parler que du premier bâtiment qui est propre à Groupe C2I. Il y aura des salles de prospection pour la prospection intensive, comme on retrouve dans un call center. Il y aura des bureaux de réception clients. Il y aura des bureaux de réception pour les notaires. Les notaires se déplacent signés dans nos locaux. Il y aura une grande salle pour faire mes lives et pour que les conseillers puissent venir faire des photos, travailler leur branding, faire tout ce qu'il faut. Donc, une salle avec, comme on a, des fonds qu'on peut retrouver derrière, des lumières qu'on a en face de moi. Donc, quelque chose de professionnel, insonorisé avec une moquette, tout ce qu'il faut. Il y aura le bureau de la communication, il y aura le bureau de notre juriste pour que les conseillers puissent directement voir la juriste et venir avec leurs clients s'il y a besoin. Il y aura une grande salle de formation. Il y aura des salles pour les jeux de rôle, des mises en situation avec un fond derrière. Ça sera un fond comme une dans un appartement, une table haute, mise en situation, bam, on y va. Donc, voilà un petit peu. L'idée, c'est qu'on va lancer un truc de tout à fait novateur. Et je le dis maintenant, du coup, j'en ai parlé qu'en interne. On va lancer quelque chose qui va ressembler au bootcamp IMO, c'est-à-dire que les conseillers vont venir, comme aujourd'hui, on a des conseillers qui sont dans tous les endroits de France, donc ils vont venir 3 jours sur place, intensif, avec première journée de la formation, deuxième journée, ce qu'on appelle des prospecting days. Nous, on passe une fois par mois. On l'a fait d'ailleurs jeudi ce mois-ci. Des journées où on passe toutes et tous, chacun, grosso modo, 50 appels qualifiés sur ce qu'on appelle des serres d'influence avec des scénarios, des scripts, tableaux, résultats. Donc, un truc, c'est vraiment l'énergie d'une salle de trading. Donc, ça, on le fera tous ensemble dans les mêmes locaux. Et ensuite, sur la troisième journée, des scénarios et des mises en pratique. Donc, voilà, des trucs intensifs pendant 3 jours. Parce qu'aujourd'hui, on sait que dans la formation immobilière, enfin, dans la formation tout court, tu as 10% du visuel qui va rentrer en tête, 10% de l'auditif. Par contre, dans le code d'apprentissage, 70% proviennent de la mise en pratique. Aujourd'hui, personne ne fait de la mise en pratique. Tu fais bêtement de la théorie, mais en fait, à la tête comme ça, tu es motivé. 3 jours après, tu repars dans tes anciens travers finalement. Donc, l'idée, c'est que c'est de la mise en pratique, filmée, encadrée. On va faire des jeux de rôle, mais avec un système. Enfin, alors, après, il y a plein de process que je montrerai en direct, mais en gros, voilà, j'ai fait mais c'est très clair, c'est une révolution. Enfin, je pense que dans l'apprentissage, c'est vraiment une révolution qu'on est en train de vivre. Le métier de l'immobilier est en train complètement de basculer, de se transformer. Et effectivement, ce projet correspond en tout cas à cette dynamique. On va même former des conseillers qui ne font pas partie de la structure. Incroyable. Effectivement, donc ça va loin, ça va très loin. Alors, justement, on y arrive. C'est le palmarès. C'était mon troisième point. Moi, ce que je sais, c'est que tu t'es présenté pendant 3 ans et tu n'as pas gagné pendant 3 ans et tu as continué. Tu t'es présenté la 4e et la 5e année. Tu as gagné en 4e et en 5e année jusqu'au prix du jury. Donc, il y a une résilience en tout cas et ça prend du temps parfois pour gagner. C'était quoi le projet? Est-ce que ça a apporté quelque chose? Des changements, c'est vrai que c'est récent. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu peux nous dire en tout cas sur ce palmarès? Est-ce que ça a été même reconnu en interne? Voilà. Ben disons que ce palmarès, c'était plutôt, j'aime bien me challenger, de dire, OK, bon, en local, c'est cool ce qu'on fait. Maintenant, on en revient à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la volonté de grandir toujours. On va aller s'amuser un peu, on va faire ça, c'est-à-dire sans savoir quand, comment, les tenants, les aboutissants. On envoie une première année, une feuille sans savoir ce que c'est, une deuxième. Puis après, à la deuxième, dit, tiens, en fait, qu'est-ce qu'il faut pour gagner? C'est-à-dire, c'est quoi les critères? Et Marc, à ce moment-là, m'avait donné les critères. Dans ma tête, je me suis dit, écoute-moi, l'année prochaine, on arrache tout. Et en fait, l'année d'après, on a gagné le prix régional, puis cette année, le prix du jury. Et en fait, c'était, en gros, donne-moi les règles du jeu et on va faire ce qu'il y a à faire. Et en fait, ouais, la résilience, aujourd'hui, ça fait partie pour moi d'une des qualités principales avec la rigueur pour qu'un conseiller immobilier puisse performer. Et ce n'est pas du tout le bagou, toutes ces choses qu'on peut entendre au quotidien qui servent pour moi à être un très bon conseiller, quoi.
Alors, on peut le dire, hein, ça a été successful, puisque je le disais au tout début de l'interview, tu as réalisé un score de 23,5, donc, le plus haut score qu'on ait eu. Effectivement, on voit que tu as travaillé chaque item, puisque chaque item s'est renforcé au fur et à mesure des années, puisqu'on a repris les dossiers. Et donc, c'est vraiment un très bon exemple, effectivement, je prends un sujet, puisqu'on a une notation très stricte, hein, très méthodologique au palmarès. Et c'est vrai que sur l'ensemble des items, et pour tous ceux qui veulent s'inscrire, c'est le cas, il faut le faire, hein, et vous avez une notation sur, bien sûr, sur l'ensemble des médias de communication. Et donc, tu t'es amélioré sur tous les items. Et ça, c'est fantastique. On a rarement vu un tel dossier. Donc, je voulais te féliciter. Merci beaucoup. C'est possible. Voilà. Donc, et en fait, aussi, ce qui m'intéressait, c'était de faire ça. Nous, aujourd'hui, on n'est pas dans un réseau, c'est mon réseau pour le coup, mais on n'est pas dans un truc politisé. Et j'avais pas envie d'avoir des prix qu'on te donne pour te faire plaisir. En gros, t'es dynamique, t'es gentil, t'as un prix, ça m'intéressait pas. Je me suis dit, on va aller dans une terre totalement inconnue où, en fait, on n'est rien, c'est-à-dire qu'on est, on n'existe pas, parmi plein d'autres, auprès de personnes, et pas d'une personne, parce que tu as toujours le copinage. J'aime pas ça, moi. C'est-à-dire, tu as des pros, tu as des références. Il y a vous, il y a Opinion Système, enfin, il y a plein de sociétés différentes, les plus belles sociétés sur différentes structures. La tienne pour toutes les vitrines, celle pour les témoignages clients, il y a meilleurs agents, il y a tout. Et puis, ça s'est greffé. Je me suis dit, OK, si là, on donne quelque chose, putain, je vais me dire, je me regarde dans la glace, tu fais du bon taf. Et tu es sur la bonne voie. C'est une satisfaction perso. Et j'ai surtout dit aux équipes, les gars, franchement, vous avez assuré. Charlotte et Gaël, à trois, regardez ce qu'on a fait. On a tous les trois commencé ensemble. Gaël, tu es là depuis 10 ans, tu as commencé en stage. Charlotte, tu as commencé en stage. Pareil, tu ne devais même pas être salarié parce qu'il n'y avait aucun projet d'embauche. En 3 ans, regardez ce qu'on a fait. Maintenant, Charlotte, elle fait la com. Gaël, il fait les coachings. Putain, on a fait ça ensemble comme des grands garçons, en gardant nos valeurs, en continuant. Et franchement, c'est le kiff, quoi. Et c'était cool. Par contre, il y a un truc qui m'a gêné. C'est que en 2019, on était au Rent. On a eu le prix en direct. Donc, il y a le pic d'adrénaline. En 2020, pour l'anecdote, c'est vrai. J'étais en formation. On intégrait 40 nouveaux collaborateurs. C'était au mois de novembre. Et en fait, j'avais coupé mon téléphone pour la formation, forcément. Et je savais qu'il y avait le tirage au sort, je ne sais pas comment on peut appeler. La remise des prix qui s'est déroulée en ligne avec tout le monde. Et j'ai reçu en fait un message WhatsApp, un message Facebook. Et donc, j'ai dit à mes conseillers, bêtement, oui. Bon les gars, bonne nouvelle, notre agence immobilière de Bouillac a été élue agence immobilière de l'année. Mais il a manqué un truc, quoi. C'est-à-dire, il était prévu qu'on ait une remise des prix au centre cette fois-ci, sur le congrès de la FNAIM, tout au centre devant, et vraiment, c'était prévu. Et on sait ce qui s'est passé cette année. Ouais. Voilà. Mais heureusement, cette année qui vient, et voilà, je pense qu'on aura une remise des prix en bonne et due forme, tous ensemble et devant tout le monde. C'est très important, cette remise de prix. En physique, pour le coup, c'est tellement important. Ouais. Alors, bravo, en tout cas. Quelques questions de Frédéric. J'aimerais savoir quel taux d'honoraire moyen en pourcentage que vous maintenez sur vos transactions. Voilà, tu parlais de 8 000 euros, c'est la commission moyenne. Là, on parle vraiment de l'agence de Bouillard, celle qui a été concernée. Les agences qu'on a en licence de marque, on en a, j'en ai une au nord du Gard, on a 5 000 d'honneurs moyens. On en a sur les Bouches-du-Rhône, on a une sur Aigues-Mortes, donc les honoraires sont beaucoup plus élevés. La moyenne réseau, il faudrait que je la regarde exactement. En tout cas, on est grosso modo à 5 % d'honneurs. Et là, on a une règle, en fait, depuis quelques temps. En tout cas, pareil pour les salariés, comme pour l'exclusivité, c'est qu'on ne négocie jamais nos honoraires. Ça, c'est Mike Ferry qui m'a appris. Quand on pose la question, c'est très simple. Non, avez-vous une autre question? Je regarde le client dans les yeux, ça dure 2 secondes, il passe à autre chose. Et en fait, là, en figure d'autorité et je dirais en prise de leadership, la question est réglée relativement rapidement. Je le note. Après, on a d'autres. Ça, c'est la plus rapide, c'est-à-dire c'est la plus, entre guillemets, choquante et cash. Après, on a tout un panel dans le réseau. Voilà, grosso modo, on a mis en place une réponse aux 80 objections principales. On les travaille pendant les jeux de rôle parce qu'aujourd'hui, en fait, on sait qu'on a un métier qui est dans les problématiques à la signature d'exclus. C'est tout le temps les mêmes objections. Et en fait, nous, l'idée, c'est on les apprend par cœur, on les théâtralise et ensuite, voilà, on est heureux de pouvoir les dire aux clients. Très clair. Alors, on a eu des questions, mais on a aussi des réponses. Nathalie nous avait posé la question, proposes-tu des formations pour les agences indépendantes? Eh bien oui, ça sera le cas bientôt dans le nouveau projet XXL. Hein, deux choses. Première chose, on me demande beaucoup des conseillers. Alors déjà, tous les lundis soirs, si tu veux venir, Nathalie, je t'invite à venir sur ma page Facebook. Alors ce soir, c'est pas la même chose parce que c'est une fois tous les 2 mois, je fais un live sur le recrutement. Mais tous les autres lundis soirs à 18h30, sinon je fais des lives pour aider les conseillers et les agents immobiliers entre 1h et 1h30. Donc, tu me parles
de prospection, de digital, de ce que tu veux. C'est gratos, j'aide, il y a... c'est comme ça. Après, aujourd'hui, je ne fais pas encore de formation externe à d'autres réseaux, bien qu'on me, les, on me, le, sollicite, on me le demande très souvent. Faute de temps, priorité au réseau. Par contre, j'ai un projet. Alors, je dis bien j'ai un projet, j'ai pas mal de choses à faire, mais j'aimerais le faire parce qu'on organise un événement vraiment exceptionnel aussi au mois de mai qui va être un truc totalement révolutionnaire. On va communiquer dessus l'année prochaine, enfin l'année prochaine, pardon, la semaine prochaine, ouvert à toutes les personnes du monde de l'immobilier. Sur les formations, j'irai le faire. Je pense que je vais me lancer un petit kiff, je pense, entre mai et juin, c'est d'aller dans 4-5 villes de France, de dire à partir du moment où on a une salle où il y a 50 conseillers immobiliers qui viennent, je fais une formation gratuite, comme je fais à mes salariés, à mes conseillers, pardon. Donc vraiment, prospection, exclusivité, gestion du nom, gestion de son emploi du temps, tout ce qui peut être intéressant. Par contre, aller former à l'individuel, en agent, aujourd'hui, je ne peux pas, faute de temps, mais la formation et la transmission de savoir, c'est ce qui m'anime, ce qui me plaît le plus. Donc, dans le futur, ça viendra probablement aussi, oui. Alors, on va répondre à Nathalie. Donc, des formations en ligne, j'imagine que tu feras des formations dans, dans les locaux, hein, quand ça, bien évidemment. Exactement, oui, ouais, c'est fait. Nathalie veut te rejoindre. A priori, ça sera possible, Nathalie. Exactement. Une fan, là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière petite question sur le recrutement. J'envisage de prendre un directeur d'agence. Penses-tu qu'il faille le faire entrer dans le capital afin de garantir son implication et son sérieux? Ça, c'est une bonne question, ça. Alors, c'est une très bonne question. Julien Raffin, il y a 12 ans, t'aurais dit « Ouais, fais confiance, t'inquiète. » Toute la confiance que j'ai faite, je dirais, de façon non raisonnée, j'ai toujours regretté la chose. Et je te fais un topo rapide. Plantage par le premier associé avec 80 000 euros de dû où il a fallu passer un redressement judiciaire. Bon, c'est réglé maintenant. Plantage d'une personne pour qui j'ai ouvert une agence immobilière en lui disant « tu fais ce que tu veux », c'était une négo. Elle est partie 2 mois et demi après parce qu'elle s'est fait débaucher par le notaire avec un salaire juste délirant, ce qui fait qu'en fait, elle est partie en pleurant, mais elle est partie quand même. Donc non, pas du tout. Aujourd'hui, qu'il fasse ses preuves, qu'il te montre de quoi il est capable, et pas pendant 1 mois ou 2 mois, c'est le principe du CDD, pendant 3 mois, on a 120%, puis après, c'est la fête. Qu'il fasse ses preuves, ne lui promets rien, dis-lui qu'il y a des possibilités d'eux, et ensuite, tu verras. Par contre, ma question, c'est plutôt de savoir quel est l'intérêt d'un directeur d'agence. Alors, je te connais pas du tout, je sais pas ton rôle, mais en tout cas, moi, j'aime pas mettre d'intermédiaire. Le directeur d'agence, demain, il forme Ténégo, il les connaît, il ouvre une agence, il plante. Et encore une fois, pour avoir connu la chose, si tu n'as pas une clause de non-concurrence qui est comme ça, c'est cuit. Et puis, il fera ouvrir par quelqu'un d'autre. Donc, garde ton leadership. Après, si tu veux qu'on en parle, c'est pareil, on en parlera avec grand plaisir. Mais attention, aujourd'hui, moi, j'ai pas de directeur d'agence. J'en veux pas. Je gère. Et j'ai des différentes personnes qui m'aident dans le projet, mais de confier, comme je dis toujours, le feu à une personne, il prend le feu, il part, t'as plus rien. Donc, difficile. Très bonne question, une réponse inspirante. Merci Julien. J'ai vu 2-3 questions complémentaires. Quel logiciel immobilier? C'est vrai, on n'en a pas parlé. Excusez-moi. Immo Facile. Immo Facile, c'est très clair. Et vous, Pierre-Alexandre, vous avez évoqué en 2016 dans votre parcours un montant de 245 000. De quoi s'agit-il? Alors, oui, tu en as parlé, effectivement. Alors, c'est déjà le nombre d'échecs que j'ai eu avant que ça fonctionne, pour commencer. Et puis après, c'est devenu accessoirement ma production personnelle, en fait, de 145 000 euros hors taxes. Sur des coms sur cette année-là, j'avais fait 26 ventes. En fait, c'est pas intéressant, ça, en fait, de faire. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment. Et ces 26 ventes, moi, je les ai fait. C'est ce que j'enseigne à mes conseillers. On n'en a pas parlé, mais en tout cas, j'ai envie de le dire à tout le monde. Prenez des secteurs de 2500 boîtes aux lettres maximum. Arrêtez de bosser 10 000, 15 000 boîtes aux lettres. Moi, mes 26 ventes que j'ai fait en 2016, elles ont toutes été faites sur ma commune de Bouillargues et j'ai fait mon rendez-vous le plus loin à 3 minutes de l'agence. C'est-à-dire que j'allais travailler soit à pied, soit à trottinette. Alors, 2 fois en voiture, parce que je suis assez flemmard, surtout quand il fait froid. Par contre, jamais de ma vie, j'ai été prendre un mandat à une demi-heure de chez moi. Si, je l'ai fait quand j'étais désespéré dans mes premières années où je faisais tout mal. Mais aujourd'hui, toutes mes ventes sont dans ma commune. Il y a 2500 habitants, il y a 6 800 habitants, 2500 boîtes aux lettres. Il y a 90 ventes à l'année, c'est très bien. J'en ai fait 26, ça me va très bien. Oh, on peut toujours faire plus. Mais à un moment donné, cette production-là, elle m'allait. Donc vraiment, soyez des experts de votre secteur, le number one de votre secteur. Et après, c'est des stratégies, ça. Mais défendez ça, c'est facile. Défendre ça, c'est très compliqué. Et défendre ça, c'est impossible. Donc voilà. Très clair. Encore un message. On a eu lors du dernier épisode
Ici, mais avec Jean-David et avec Romain Cartier, on en parlait, effectivement, les meilleurs agents, ceux qui réalisent près de 300 000, hein, c'est vraiment l'objectif des vendeurs d'élite, eh bien, ils se limitent, en fait, ils se limitent. Et c'est parce qu'ils se limitent qu'ils réussissent à obtenir des chiffres aussi incroyables. Donc, voilà, un bon exemple. Une question de Laura concernant la rémunération de vos agents quand vous dites que vous rémunérez à partir de 200 000 euros 100% de la com, c'est-à-dire comment gagnez-vous de l'argent du coup? Alors, l'argent, en fait, aujourd'hui, la marge, elle est faite initialement sur la prod de 0 à 60 000 euros. On a une marge de 30%. Ça fait donc 18 000 euros de marge brute hors taxe sur un conseiller. Ensuite, il y a 10%. Et ensuite, il n'y a plus rien. Première question, combien de conseillers immobiliers font plus de 200 000 euros? Quelle que soit le réseau en France, il n'y en a pas beaucoup. Pour connaître les chiffres de tous les plus gros réseaux nationaux. Non, il n'y en a pas beaucoup. On a eu les chiffres. Il y en a très peu. Hein, il y en a très peu. Et d'ailleurs, j'avais vu Romain, parce qu'on a fait un live ensemble avec Romain Cartier il y a 4 semaines. On a notamment parlé de son étude hyper intéressante avec Jean-David. Il y en a très, très peu. Il y en aura toujours très, très peu, puisqu'aujourd'hui, on est dans de l'ultra production quand on est sur ces chiffres-là. Donc, vaut mieux que les personnes, une fois qu'elles aient ça, elles ne partiront, entre guillemets, jamais ailleurs, parce qu'il y a ce qu'il faut. La marge, elle est faite bien avant. Donc, à 200 000 euros, c'est anecdotique. Donc, Mais c'est à partir de 100 000, c'est à partir de 200 000 que tu reverses 100%. Voilà. Tout à fait, à partir de 200 000 et à partir de 60 000 jusqu'à 200 000, on est à 90%. C'est très clair. Julien, je pense qu'on… comment tu fais pour connaître les classements des concurrents? Ah, une question, alors, allez, une dernière question. Comment tu fais pour connaître les classements des concurrents? Sur mon Facebook perso, je suis totalement bloqué parce que j'ai 5 000 amis, donc il y en a 4 995 qui doivent être du monde de l'immobilier. Il y a mon père, ma mère et puis après, 3 potes perdus. En fait, étant donné que j'ai que des personnes du monde de l'immobilier sur mon LinkedIn, sur mon Instagram… et que les réseaux aiment parler des chiffres, et en tout cas, des chiffres du haut, forcément, c'est relativement facile. Donc aujourd'hui, en gros, hein, pour faire un truc très rapide, dans les réseaux de mandataires, ils ont tous un cheval de course qui fait 600 000, bon, qui réellement est appuyé par le réseau. C'est leur vitrine. Hein. Ils ont une secrétaire derrière, des personnes qui prospectent. Donc en gros, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ensuite, tu as 5-6 négos qui vont être entre, il y a un gros trou, on tombe à 300, ce qui est déjà magnifique, entre 350 et 250. Et après, quand tu es déjà à 200 000, tu es dans le top 25, grosso modo, de tous les réseaux nationaux aujourd'hui. Je parle des réseaux de mandataires. L'accès chiffres sur toutes les parties, on va dire, Orpi, Era, Ceinturé, c'est plus difficile. Après, comment je fais? Sinon, c'est qu'aujourd'hui, nous, dans le réseau, on a intégré les structures de toutes les agences immobilières existantes, sans aucune exception. Donc, en fait, on a un recul des chiffres, des expériences et des chiffres. Après, nous, on n'est pas du tout dans une phase de comparaison avec qui que ce soit. Bien au contraire, par contre, on sait pertinemment que les 200 000 euros, c'est aujourd'hui quelque chose de très, très costaud et que ça sera de toute façon pas une majorité de conseillers dans le réseau. Très clair. Merci beaucoup, Julien. Je pense qu'on a passé une bonne heure ensemble. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Plein de bonnes questions. On a appris plein de choses. C'était passionnant et c'est vrai que ça fait plaisir de voir quand tout ce parcours en réalisé finalement en quoi 12, 13, 14 ans, oui, 13 ans. Ouais, 13 ans. Bon, après, accessoirement, je bosse entre 12 et 18 heures par jour. C'est-à-dire que la semaine, quand j'ai pas mes enfants, je suis à l'agence à 7 heures, je pars à 20h30, je fais une visio avec eux et de 21h30 à 1h du mat, je bosse. Là, j'ai un gros accroissement. Alors, bosser 12 heures, je dirais, c'est normal, c'est mon standard. J'ai augmenté ce standard à 16 en ce moment. Alors, c'est pas du tout. En fait, c'est entre guillemets, c'est aujourd'hui le prix à payer. Dans chaque situation, il y a un prix à payer. Pour être tranquille, mais c'est quelque chose qui va se calmer en avril, puisque là, l'ultra croissance fait qu'il a fallu passer à toutes les automatisations, tout ce qu'il faut. Et voilà, là, on va reprendre un rythme réel. Et oui, je fais du sport. Alors, je suis passionné de foot, mais je fais de la boxe anglaise aussi pour évacuer la chose. Et du foot, mais j'ai arrêté le foot. En tout cas, un très bon exemple et vraiment inspirant pour nous tous. Merci, Julien, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu aux questions. Merci à toi. Et juste pour s'il y en a qui veulent voir les lives du lundi soir, je vous partage le lien dans le chat. Alors, celui de ce soir sera dédié au recrutement. Donc, s'il y en a que ça peut intéresser, venez. Sinon, ce n'est pas la peine de perdre votre temps. Par contre, à partir de lundi prochain, vous verrez sur ma page, je fais toujours les événements. Il y a des thématiques différentes. Et d'ailleurs, les thématiques, je demande aux conseillers ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que moi, je fais des lives. De quoi vous avez besoin? Pros, ok, on va travailler la prospection. En fait, voilà, on échange ensemble. En gros, pour terminer, j'ai pas envie qu'aujourd'hui une personne qui a mon profil il y a 12 ans ou 13 ans vive la même situation que j'ai vécue. Parce que je me dis, à moi d'être sadomaso, sinon les mecs ils vont abandonner tout de suite. Donc, je préfère donner, me dire, j'ai capitalisé grâce au travail. Maintenant, les personnes qui veulent avancer, on va les aider. Et puis, c'est gratuit, c'est un engagement et c'est dans la bonne humeur comme toujours.
faire gagner du temps. Merci beaucoup. Ouais. C'est un peu le rôle des coachs. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été là. Merci à tous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une surprise. Voilà, une surprise la semaine prochaine. Toujours plus de formation. Merci à tous. Très bonne semaine. Travaillez bien. Bientôt, Julien. Bye bye. Merci. Bye bye à tous. Merci.